Michel. Aujourd'hui, on a eu la visite d'une vieille amie. C'est une sorcière et elle a envoyé sa poupée espionne pour nous espionner. Et elle a failli nous avoir. Mais bon, cette journée était vraiment, vraiment, mais vraiment pleine de surprises. On vous laisse découvrir ça. Ouh là là, c'était vraiment étrange. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Non, Lydie Rose, je trouve rien là. Je trouve aucun truc qui dit que les sorcières existent vraiment. Franchement, je sais pas ce que t'as vu là. Mais si, je suis sûre. Recherche bien là, je suis sûre, j'ai vu une sorcière tourner autour de chez nous. J'ai fait tous les sites internet, sur internet, y'a rien du tout. Ça n'existe pas les sorcières. Point barre, t'as dû voir quelqu'un déguisé là, comme ça, devant notre maison, qui voulait nous faire un prank ou je sais pas quoi. Non mais c'est bon, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui va venir se déguiser chez nous en sorcière? On n'est pas à Halloween là, hein. Allez, crois-moi un peu. Ils vont être à moi. Je reviens. Et cette fois, je ne vais pas me laisser faire. J'ai une nouvelle stratégie. À moi, Lily Rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un sort à cette poupée qui deviendra mon espionne. Et elle verra tout ce que ces petites cacahuètes feront. Et au moment où ils partiront de chez eux, je les attraperai et ils seront à moi pour toujours. Au bout de 3, tu seras à mes ordres, tu deviendras mon espionne. Allez, 1, 2 et 3. À tout à l'heure, ma chérie. Je reviendrai dans quelques heures, le temps que ma poupée maléfique les piège. Aïe. Ok, crois ce que tu veux. J'ai une dernière petite chose à te montrer. Sur internet, il parle d'un détecteur de sorcières. On a qu'à essayer de l'utiliser, même si je pense que c'est un truc d'arnaque là, mais bon. Allez, vas-y, montre-moi ton détecteur de sorcières là. Bon alors, allez, on va cliquer dessus. Oh, regarde, c'est une caméra. Bon, apparemment, il faut tenir ça comme ça. Waouh, c'est comme un radar. Bon, donne-moi ça, je vais m'en occuper. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit un point bleu. Donc voilà, il y a une sorcière, ça existe. Ah, c'est juste une pauvre application que j'ai trouvée comme ça, là, sur la tablette. Crois pas que ça va vraiment détecter des sorcières, sinon ça se saurait quand même. Mais si, regarde, là, le point bleu, c'est la sorcière. Elle bouge en plus, j'en suis sûre que c'est vrai. Ah bah, si t'en es sûre, tant mieux pour toi. Mais bon, je te laisse avec ton application de sorcière, là. Moi, je veux pas avoir affaire à ces trucs-là. Elle se rapproche. Bon, allez, va jouer. Quand elle viendra, je vais te prouver que elle vient pour de vrai chez nous. C'est ça, occupe-toi de tes petits trucs de sorcière comme ça, hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça, Lily Rose? C'est toi qui as remis ça là? Non, 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 c'est pas moi. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh là là, ça sent pas bon ça. Comment elle a fait pour revenir ici? On s'en était débarrassé. C'est une poupée hantée. Oh là là, Lily Rose, je suis sûre que c'est toi qui l'as re-ramenée ici. Non, non, j'aurais jamais ramené ça ici, là. C'est bizarre. Elle a les yeux grands ouverts. C'est vraiment étrange. On dirait qu'elle nous espionne. Je sais pas qui a ramené ça chez nous, mais si on a voulu s'en débarrasser, c'est pas par hasard. Et c'est ce qu'on devrait faire. Bon, Lily Rose, on devrait sortir de cette maison. C'est trop bizarre. Ton histoire de sorcière plus cette poupée qui revient, ça n'annonce rien du tout de bon. Bon, ok, laisse-moi m'occuper un peu de la sorcière et on part, on revient dehors. Allez, alors... Oh, attends, 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 c'est quoi ça? Esteban, il y a une sorcière ici, regarde. L'application a détecté un truc. Esteban, viens vite. Esteban. Oh non, il est parti. Attends-moi, attends-moi. Ah, me revoilà. Alors, tu es où, ma petite? Oh, tu es là. Oh, tu es là, ma jolie. Viens me donner tes informations. Alors, tu as quelques informations pour moi? Où sont partis ces petites cacahuètes de Esteban et Lily Rose? Oh, trop bien, il a neigé. Oh, trop bien, il y a quelqu'un qui a dessiné un escargot. C'est trop beau. Oh, oh.
Bon, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Faut que je retrouve Esteban. Oh, j'ai plus envie de vivre dans cette maison avec toutes les choses ultra bizarres qui s'y passent. Il faut que je trouve un autre endroit. Au moins pour cette nuit. Lily-Rose, elle me suit ou pas? Bon, tant pis, elle va continuer son enquête là avec sa petite sorcière. Mais bon, je commence à y croire de plus en plus. Où est-ce qu'elle aurait bien pu se cacher? Surtout si elle est rentrée chez nous, notre maison elle fait pas non plus 500 000 mètres carrés. Bon bah là, les amis, j'ai pris une caméra pour vous montrer tout ce qui va se passer. Je vais aller me cacher dans le parc parce que c'est très bien. Il y a comme des petites cabanes, des petites maisons. C'est l'idéal pour pas avoir trop froid en hiver. J'ai pris mon gros manteau. Oh, là-bas il y a un labyrinthe. Je vais aller m'y cacher. C'est sûr que la sorcière me trouvera pas si je vais là-bas. S'il y a vraiment une sorcière d'ailleurs. Esteban ! Esteban ! Eh oh ! Esteban ! Esteban ! Eh oh ! Alors ? Il y a quelqu'un ? Esteban ! Oh, il est où ? Où êtes-vous ? Non, c'est la sorcière que j'ai vue tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais où êtes-vous, petit schnappant ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je vais vous trouver. Où êtes-vous ? Ah, mais c'est Lily-Rose qui est cachée aussi là-bas. Oh mince, elle a trouvé la même cachette que moi. Elle est aussi dans le labyrinthe. Qu'est-ce que je vois là-bas ? Oh oh, ça serait pas la sorcière ? Lily-Rose, qu'est-ce que tu fais là ? Bah rien, je me cache. Non mais la sorcière, elle nous voit là, c'est mais sûr. Oui, regarde, elle est là-bas, je te l'avais dit qu'elle existait. Elle est aveugle aussi, elle voit rien. Ouais. C'est une sorcière aveugle, elle va jamais nous trouver là. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais tout à l'heure, je l'ai entendu parler. Ouais, mais ce qu'on devrait faire, c'est que... Je pense là, les amis, on va essayer de re-rentrer chez nous. Si oui. Elle est là, on risque rien, elle est tellement nulle. Mais tu penses que c'est elle qui nous a envoyé la poupée ? Ouais, je pense. Bon allez, au pire, on va la voir. Et on l'a fait tomber. Ouais, pas bête. Ah, vite, ça... on y va. En plus, on dirait qu'elle a un masque. Ça tombe, il y a quelqu'un en dessous. Viens, vas-y, vite, on y va. Oui. Regardez, elle est là-bas, les amis. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Ce que d'ici, je. Qui êtes-vous ? Arrêtez. Oh non. Peppa Pink. Peppa Pink. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu voulais nous piéger ? Non, rien. Il voulait nous piéger. Bon les amis, là on est le lendemain matin. Petit peignoir, tu connais. Petite pantoufle, tu connais. Et voilà, regardez ce que j'ai trouvé dans la chambre de Lily-Rose. Regardez qui est revenu. Regardez qui est revenu. Regardez-moi ses yeux. Bon, ça veut dire que la sorcière n'en a pas fini avec vous. Même si on sait que c'est Peppa Pink, moi je pense qu'il y a une autre personne derrière tout ça. Je pense que cette personne a contrôlé Peppa Pink. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Bon les amis, voilà, on est sûr que ce petit sketch vous a plu. Oui. Que ça vous a bien fait rire. Ça a pas marché. Bon, allez, une fois, cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye bye les amis, regardez, je suis toute rouge.